Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des imitations de cristaux sur des boucles d'oreilles. Et pour ça, je vais commencer avec la pâte Prémo Opale de chez Sculpey Prémo. Et on va commencer par la couper en tout petits bouts. Alors, avec le recul, moi, je ne l'ai pas coupée en assez petits bouts. Donc, n'hésitez pas à avoir, par exemple, plusieurs tailles de petits morceaux de cristaux. Et on va ensuite faire cuire tout ça pour avoir nos morceaux pré-cuits. Dans une plaque de pâte blanche étalée au cran 4 de notre machine à pâte, on va ensuite venir découper les formes de nos boucles d'oreilles. Encore une fois, tous ces emporte-pièces que vous voyez dans à peu près toutes mes vidéos sont disponibles sur la boutique Etsy, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais ensuite prendre de la Sculpey liquide et je vais venir en mettre une bonne épaisseur sur chacune de mes boucles. Cette Sculpey liquide va évidemment nous servir de colle et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien la remplacer par de la Fimo liquide, ça marche très bien aussi. On va ensuite prendre nos petits morceaux de cristaux et on va venir en faire un petit tas sur chacune de nos boucles. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des morceaux plus petits que les miens, ce sera beaucoup plus facile à venir étaler. Et une fois que j'ai fait mes petits tas sur chacune de mes boucles, je vais venir prendre un outil, ici vous pouvez prendre un cure-dent, ça marche très bien, et je vais venir faire un petit trou, une espèce de petite ouverture parmi les cristaux à l'intérieur. Vous pouvez la faire à la verticale, à l'horizontale, faire juste un cercle, le tout étant d'avoir un résultat naturel et qui vous plaise. Lorsque vous avez choisi le positionnement de tous vos petits cristaux, n'hésitez pas à appuyer un petit peu avec votre doigt pour les enfoncer très légèrement dans la pâte. N'oubliez pas que la colle du coup de Sculpey liquide va beaucoup vous servir pour ça aussi. Et on va aussi venir créer un petit creux à l'intérieur avec un dotting tool. Ça c'est vraiment pour vous donner de la profondeur, on a le relief avec nos petits morceaux de cristaux. Il faut maintenant un petit creux avec notre petit dotting tool. Et une fois que c'est fait, on va venir prendre un petit peu de feuilles d'or. Ici, j'ai pris des petits flocons de feuilles d'or. Et on va venir les mettre à la périphérie de nos cristaux. Ici, c'est totalement optionnel. Si vous n'avez pas de feuilles d'or, vous pouvez passer directement aux autres étapes. Et après cuisson, vous pourrez peut-être mettre, pourquoi pas, un coup de feutre doré. Ça marche très bien aussi. Lorsque vous avez fini avec la feuille d'or, on va venir ajouter un petit peu de brillance à l'intérieur. Et pour ça, j'ai pris de la Pearlex, j'ai pris la plus pailletée que j'avais. Et si vous n'avez pas de Pearlex bien jolie et bien pailletée, n'hésitez pas tout simplement à prendre des paillettes. Si jamais vous voulez ajouter de la couleur, vous avez plusieurs solutions. Soit vous essayez un petit peu comme moi en faisant quelques mélanges de Pearlex, en mélangeant par exemple des dégradés de bleu dans vos cristaux, soit vous attendez après la cuisson et vous essayez avec pourquoi pas des encres à alcool.
Je voulais essayer les encres à alcool, mais au final, je trouvais que le résultat était vraiment très bien comme il était là tout de suite. Donc je me suis dit que j'allais tester juste sur une paire de boucles d'oreilles avec les Perlex pour voir un petit peu ce que ça rend. Si jamais vous êtes intéressé par un test avec des encres à alcool, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'essaierai de trouver un petit créneau pour refaire la même technique, mais avec cette fois une petite coloration aux encres. Lorsque vous avez terminé votre coloration, vous pouvez déjà passer au four et après cuisson, on va venir s'occuper de la brillance. Alors ici, j'ai décidé sciemment de ne pas utiliser de résine, tout simplement parce que la résine a ce côté un peu trop épais et ici, je voulais garder un petit peu le relief de tous mes jolis cristaux. Donc on va utiliser du vernis et pour avoir un joli brillant, je vous conseille le vernis d'Arwi qui est vraiment top. Ici, on va juste l'appliquer sur nos cristaux et sur le centre de nos petits minerais pour avoir un joli effet. Ici d'ailleurs, je n'hésite pas à l'ajouter en grosse quantité et en plusieurs couches. Si jamais vous n'avez pas de vernis d'Arwi, vous pouvez très bien utiliser le vernis Fimo ou plein d'autres vernis. Et si vous trouvez que le brillant n'est pas suffisant, attendez correctement que ça sèche, puis passez une autre couche, voire même une troisième couche. Et lorsque votre couche de vernis est bien sèche, on va ensuite pouvoir passer au montage et au perçage. Si jamais vous n'avez pas de quoi percer, n'hésitez pas à percer vos boucles d'oreilles avant la première et la dernière cuisson. Ici, je voulais vraiment un montage assez simple, j'hésitais à rajouter des perles, etc. Mais je trouve que la forme de base est déjà bien assez grande. Du coup, j'y suis allée vraiment mollo et j'ai juste rajouté des petites puces par-dessus avec évidemment les apprêts sans nickel qui vont avec. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai un gros faible pour celles sur lesquelles je n'ai ajouté aucune couleur. Je trouve vraiment que ça rend trop bien, ça fait à la fois un effet relief et une boucle d'oreille jolie et simple. J'aime beaucoup ce style. Si jamais vous le refaites à la maison, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux, tous mes liens sont en barre d'infos et comme ça je pourrai peut-être repartager votre création dans mes stories. Encore une fois, la boutique est en barre d'infos si jamais vous voulez me soutenir. Et si vous voulez devenir une bulle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Comme ça, vous pourrez avoir accès à des tutos exclusifs que je ne garde vraiment que pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao !